Salut Raider, c'est BZH, on se retrouve aujourd'hui sur Raid 2 pour une nouvelle vidéo, toujours hein, sur la découverte du nouveau DLC, le Raid 2 Exotic Backpack, comprenant 6 motos. Donc là on arrive à la quatrième ou cinquième moto. Cinquième moto, pardon. Donc voilà, donc ce DLC est disponible sur Steam ou sur le store, hein, je veux dire, enfin les stores je pense, pour console, donc disponible PC console. Donc DLC, hein, je le rappelle, à 5,99€, puisque ben, des fois on me demande tout le temps est-ce qu'il est gratuit, est-ce que c'est payant, en tout cas, vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Donc, non, mode rapide, non. Donc mes motos, concessionnaire, afficher les constructeurs, et la cinquième moto aujourd'hui, c'est Monsieur Martini. Et ça va être donc la Flashback America. Donc Flashback America de la marque Monsieur Martini, donc préparateur comme on a pu le voir sur la description de la première qui était donc la Flashback California qui était donc dans un DLC, le Free Bike Pack, donc qui comprenait deux motos, une Aprilia et celle-ci. Donc le pack était gratuit et là dans le nouveau pack exotique on retrouve celle-ci, donc qui fait partie du pack payant. Donc Flashback America. Donc on peut remarquer qu'entre les deux machines, il n'y a aucune différence, mis à part le fait que bah, on a un coloris différent. Donc voilà. Puissance, tout ça, c'est la même chose. Donc on est sur du 181 chevaux,8, couple max, 134 Nm, cylindré 11,98, cylindre 2 et poids 169 kg. Donc showroom quand même, histoire de voir s'il y a une différence dans la description, sachant qu'on avait vu la dernière fois qu'elle avait été faite pour un préparateur russe. Enfin, pour une commande d'un riche russe faite par un préparateur, Monsieur Martini. Voilà. Donc je vous laisse lire la description. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire pause à l'écran. D'accord, donc en clair, si on comprend bien, c'est une moto qui a été encore choisie par une personne. Donc l'idée provient d'un fan de Ducati californien qui, après avoir vu la création précédente de la marque Veyron, contacta le constructeur pour se faire construire une moto personnalisée. Le point de départ fut, comme toujours, une Ducati 1098R, mais cette fois de 2012. Le cœur de cette moto spéciale reste inouable. Un moteur Testa Treta, excusez-moi, Evolution, en L à 90 degrés de 1198 cm3. La puissance de sortie s'élève à 180 chevaux, à 9750 tours minute pour un couple max de 134 Nm à 7500 tours minute. Ok. D'accord, donc toujours une moto bien équipée. Donc c'est parti, description lue. Maintenant, on n'a plus qu'à aller tester cette moto, même si c'est kiff-kiff avec l'autre. Donc le prix n'est pas le même. L'autre, elle était à 23 980 crédits, la Flashback California, et la nouvelle, elle a Flashback America à 20 980 crédits. Donc un coloris proposé. C'est parti. Donc on va la tester rapidement. Je pense qu'on va faire un tour avec celle-ci. Un tour ou deux tours. Je pense que je vais faire un tour plutôt. Vu qu'on avait déjà découvert l'autre et que c'est quasiment les mêmes. On va pas se... Voilà. Donc on va se faire un tour sur le circuit de Ulster GP. Avec la Flashback America. En moteur Ducati. Évidemment, ça envoie la puissance Stratstretra, excusez-moi. Oula!
Ouais, c'est ça change tout. Et hop, j'ai cassé ma boîte de vitesse. Voilà, donc un petit coup de caméra libre pour rapidement observer la machine. Je vous laisse découvrir. Voilà. Alors, ça envoie du lourd, ça c'est clair que ça torche. Ça torche même tellement que j'en fais une sortie de piste. Ouais, bon là par contre. Le coup de rétrogradé, ça passe pas. Alors du coup ça change tout hein, vu que là on se retrouve sur une puissance totalement plus élevée. Putain, ça envoie tellement à tous les étages que là, vous voyez, ça va me créer un magnifique ralenti. J'ai eu un gros bug là. Ah putain, je vais faire que me planter là. Thank you.
Et boum! Toujours, hein, là c'est mon coin fidèle ça. Putain, et je vais enchaîner, mais c'est un truc de taré quoi. Voilà, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, un test plus court. Parce qu'on avait déjà vu cette moto en première partie, on s'arrête directement et puis on se termine avec cette rediffusion. Je vous laisse voir la rediffusion tranquillement. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour le sixième test, dernier test, hein, donc 6 sur 6 sur le DLC Exotic Bike Pack. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé cette moto, hein, si vous avez aimé cet épisode. Et on se retrouve très prochainement, hein, pour la suite, dernier épisode sur la présentation de ce DLC. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes.